Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. En compagnie du boss. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, je vais proposer un défi et il va falloir le relever. Donc le défi, c'est simple, ça va être un défi marque vs sous-marque. C'est-à-dire qu'on va acheter des produits et en gros, à chaque fois, il y en a un qui va devoir acheter de la marque et l'autre va devoir acheter la sous-marque. Et on va voir quel est le plus intéressant, si c'est d'acheter moins cher et si ça a le même goût ou si la marque, ça bat toujours la sous-marque. Tu sais quoi, je te laisse même décider ce que tu prends. Je prends la marque. Je te laisse décider. Il y a des limites de prix? Non, aucune limite de prix et je te laisse décider. Bon, elle est déjà partie, c'est parti. Je viens d'installer un nouveau rayon, c'est incroyable. Il y a que du sans marque. Il y a des sandwichs, que du sans marque. Ça, c'est que sans marque, ça. Ok. J'ai trouvé ça. Tiramisu. Fais voir, c'est quoi la marque, parce que toi, tu vas tricher. À 2,52€, c'est Auchan. Okay. Auchan, c'est de sans marque, les gars. 2,52€ pour le premier tiramisu. 2,50€. C'est grave cher. Depuis le temps que je voulais tester, moi, par rapport au tiramisu, je vais prendre ça. C'est quoi le prix? C'est la marque Oreo, c'est 3,87€, mais il y en a deux. Ok, donc déjà, toi, ton prix est plus élevé que le mien. Ouais, mais il y en a deux. Oui, mais c'est la même taille. Je vais accompagner ça dans Starbucks, ça c'est une marque archi connue, j'ai fait une vidéo là-bas. Le panier c'est 2,16€. Pour accompagner le tiramisu, je vais prendre ça aussi. Une tarte au chocolat. C'est quoi le prix? 1,56€. 1,56€. Voir la marque, je vérifie bien. Les sous-marques, c'est grave cher. Hein. T'as vu, les sous-marques commencent à augmenter? Les gars, la vidéo, ça y est, elle est refaite. Regardez les nouveautés. Il y a des kebabs, des tacos, viande orientale bolognaise, ou alors tacos. Comme ça là, en mode dinde des fromages ou encore des burgers. Regardez, déjà je vais prendre les burgers potatoes, ils font 6,79€. De toute façon on avait dit que c'était budget limité. Ouais, c'est archi cher. Entre ça et ça, je vais te laisser me dire toi c'est quoi le préféré tu penses. Ah mais je crois que c'est de la sous-marque ça. Hein. Non, c'est Oriental Viande, c'est de la marque. Je prends bolognaise, il coûte 3,83€. Bon là on est au côté des gâteaux, le côté sucré, on va se régaler. J'avoue. Donc on a des mini brownies. Combien ils font ceux-là? 1,79€. Vas-y bah prends-les en vrai. 1,79€ les mini brownies. On a ensuite, j'avais repéré des mini Oreo, 2,12€. 2,12€, ok. Ça par contre c'est cher, 2,12€. Et pour finir, des donuts à 2,70€. Ils font même des donuts sans marque. Ouais. 2,70€. Je pense qu'au niveau sucré, on est trop bien là. On a des Capri Sun. Mais là, les Capri Sun, c'est de la marque. Hein. Oui, je sais, mais justement, en bas, il y a la sous-marque des Capri Sun. Oh, il y a les premiers. Prends-lui Tropical. Tropical. C'est où Tropical? C'est juste en bas, la boîte orange. Ah ouais. Combien le prix? 2,75€. Et Capri Sun, ça coûte combien? 3,56€. On gagne 1€ quoi. On gagne 1€. La meilleure boisson de tous les temps niveau marque, venez voir. On va prendre un iced tea saveur framboise. Ça coûte 1,83€. Mais qu'est-ce que c'est bon? Pour finir, il a trouvé un dernier truc. Avant, je pouvais prendre ça, les pâtes au fromage ici, c'était trop bon. Sauf que je prenais toujours la marque. Mais là, on va tester la sous-marque. Combien ça coûte? 1,99€. 1,99€ et le vrai coûte combien? 3,66€. En vrai, ça va. Vas-y, viens, on va à la caisse. Hein. Je viens de payer 100€, les gars. Vous rêvez pas 100€. J'ai fait quelques petites courses à côté. Mais 100€, c'est-à-dire tout a augmenté. C'est une dinguerie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Myriam à l'école parce que ça va être notre goûter. Nous, on a bien mangé le matin, le midi. Et on va voir si le premier prix, c'est bon. Moi, chez Marc, je suis bien. Je suis grave contente, je vais pouvoir goûter les articles sous marque. Ouais, toi, t'as la sous marque, tout à droite. Regardez tout ce qu'il y a là. Elle m'en a à peu près pour 15€, vous avez vu. Il y a des pâtes, des tiramisu, des parts de gâteau. Franchement, il y a beaucoup de choses pour 15€. Tu trouves que c'est cher ou pas, Yacine? Bah, déjà, il y a plus de trucs que toi. Moi, 18€. Il y a l'iced tea, il y a tout ça en vrai, je sais pas. Dites-moi si vous pensez que c'est cher. On goûte les trucs salés en premier? Ouais. Vas-y, je vais commencer par... Bah, moi, j'ai que ça. Bah, commence par les pâtes. En vrai, tu dis si c'est les mêmes que les vrais. C'est bien. Ça, c'est vraiment bien quand le midi, t'as pas le temps. Puis tu vas dire qu'elles ont le même goût que les vrais. Disons là, et c'est souvent ça, les frères. Hein. C'est souvent la marque, c'est de la douille, mais en vrai, c'est la même chose. C'est vraiment les mêmes que les vrais. Les mêmes. Vas-y, bah, moi, je vais tester ce burger-là. Vous voyez, le potato buns. Tu cuis au four. Regarde comment ça à l'intérieur. On dirait un steak de la cantine. Similaire. Du coup? C'est vite fait. Hein. On dirait un repas de la cantine. C'est ça, c'est vraiment pas validé les frais. Si vous voyez ça en magasin, je vous conseille pas. C'est ce qui en fait, c'est de la pomme de terre. C'est de la pomme de terre. Je suis en train de rafaler les pâtes, c'est si bon que ça. Bah, tu vois, elle a une sous-marque, elle aime bien. Moi, j'ai une marque. Et je trouve que c'est pas bon. On va essayer de se rattraper avec le tacos. Alors là, je vais essayer de vous l'ouvrir parce que c'est la première fois que je goûte. Waouh! Du coup, je peux goûter le Capri Sun? Ouais, bien sûr. Similaire. Ça, c'est bon. Ça vaut le coup d'être filmé, c'est une ça. Pizza tacos. Ça vaut le coup d'être filmé. C'est le mélange d'une pizza et d'un tacos. Il y en a un à Lidl, mais celui-là, il est meilleur.
Ah oui, il y en a, ils filment des tacos avec des grecs, des poulets, des TN. Ça, ça vaut le coup d'être filmé, mon pote. Ça, je lui mets 9,9 sur 10, 3 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Elle va goûter le Capri Sun. Ah, mais ça, c'est toujours le problème des pailles. Les pailles Capri Sun, c'est une galère. Ça, c'est une dinguerie à fumer. T'arrives pas? À tantôt. 1 hour later. Du coup, elle boit comme ça, vu qu'elle n'arrive pas. Alors? Je pense, en vrai, celui-là... Parce qu'elle n'en a même pas. Mais prends une fourchette et troue-le. Moi, je peux pas, parce que je suis malade. J'ai pas envie de la contaminer. C'est ça? Ouais. Troue-le. Voilà. Maintenant, tu mets ta paille. J'arrive toujours pas à la rentrer. Oh, c'est pas grave. Je pense que j'aurais dit les deux, c'est un peu pareil. C'est encore pareil. Et les marques, vous nous arnaquez de ouf. Hein. On va passer à la partie sucrée. Putain, toi, t'as trop de trucs, c'est aberrant. Ok, moi j'ai hâte de goûter ça. Oreo cheesecake. J'ai vraiment super hâte de goûter l'Oreo cheesecake. Okay. Oh, c'est tout petit. Regarde, regarde l'arnaque. La sous-marque, c'est beaucoup mieux. Regarde, c'est tout petit. Ok, déjà, on va goûter le haut. Déjà, on va goûter le haut. Attends, je peux pas prendre une cuillère de tout. Bismillah. Je te promets que c'est comme les tiramisu de maman. C'est comme les tiramisu de maman? Oh, maman, elle a dit tes tiramisu, c'est comme Auchan. Oh, vas-y, je vais goûter le Oreo. Mais on c'est grave bon, comme les tiramisu de maman. Une couche d'Oreo, une couche de... J'ai tout pris, là. La bouche est parfaite. Mais les tiramisu de maman, ils sont graves. Je pense qu'ils doivent être mieux. Waouh, ça, c'est dangereux, hein. Chat, ça c'est mon pire ennemi parce que c'est hyper bon, ça cale pas, tu peux en manger 15. Mmh. Oh, ça c'est trop bon. Et ma mère elle va me dire quoi, je suis sûr. Younes, ça tu jettes pas, je le récupère pour après. Par contre là t'as payé 18€, t'as déjà plus rien à goûter là. Je suis en train de péter un câble, il me reste que les boissons. Eh la marque, en vrai je crois que c'est de la douille Yacine. Maman elle a raison, avant quand elle était cheap. Elle ah ouais, ça ça a l'air incroyable. Oh la chance, moi j'ai plus rien. On va goûter quand même le ice framboise. Il lui reste 5 paquets. Bismillah. C'est même pas bon en plus. C'est du thé avec de la framboise. Non, non, ça va pas du tout ensemble, Ekhei. Ah, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit. Tu m'as induit en erreur. C'est pas la meilleure boisson, Yassine. Mais t'as pris le pire goût. J'ai pris le pire goût framboise. Et là, moi, il me reste le café. Oh la chance. T'as une grosse part de gâteau. Je crois qu'elle coûtait que 2 euros celle-là. Bismillah. On va mettre du café. Ah, elle est incroyable. Vraiment? Et sur ce coup-là, j'ai voulu prendre Marc pour être intelligent, mais je suis pas du tout intelligent. Ça, j'ai goûté une seule fois à Lidl. Donc, on va goûter les autres trucs. Alors, ça. C'est délicieux. Un donut. Oh, on a des donuts. Est-ce que je peux goûter un peu de ta part de gâteau? Non, j'ai rien, j'ai désolé. Oh, par contre, les menteurs. Regardez la boîte, comment les donuts, ils sont gros. Et regardez le donut qu'ils m'ont donné. Oh les sous-marques, vous êtes des haggars vraiment. Au moins goûte, ça se trouve c'est bon. Oh les haggars, hey, j'aurais pété un câble. Alors? C'est même pas bon en plus. Ça, n'achetez pas les donuts, ça se voit c'est mauvais délire. Attends, 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 attends. C'est tout, ça se voit c'est sec. Il t'a arnaqué ton gâteau. C'est sec, voilà c'est sec. Bah j'y mets pas de façon. Brownie, ça a l'air incroyable. Oh, en plus en forme de gâteau lélé comme tu mangeais avant. Ça, on peut dire ça, on peut dire c'est bon. Ça, on peut dire c'est bon. Mm. Et les Oreo chocolat blanc là. Oh maman, elle arrive. Elle va nous. Oh, elle va dire mais c'est ça que vous mangez, c'est ça que vous donnez à votre sœur. Oh aïe 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 aïe. Laisse l'Oreo. Mange ton Oreo. Ça par contre c'est une pro des Oreo, elle va vous dire la vérité. Ce gâteau c'est le meilleur des trois. Ok. Bah la famille, ma mère va arriver. Maman, si tu vois cette vidéo, c'est juste une petite dégustation. Franchement, je pense que la sous-marque a gagné, Yacine, parce que j'ai mangé 3 crocs, j'ai déjà plus rien à manger, frère. Et j'ai payé 18 euros. Dis-moi, en termes de goût, t'en as pensé quoi? Tu mets combien sur 10 pour tout en globalité? 19 sur 10 parce que ça, c'est vraiment de la grosse arnaque de donuts. Ok, elle a mis 19 à cause des donuts. Voilà, famille, laissez un like et abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao.